Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur BO3 et sur Dare Extreme Dragon, le nouveau zombie. Et je vais vous faire voir comment on débloque le Pack-a-Punch. Alors là, le Pack-a-Punch, sérieusement, ils ont fait très très simple. C'est autre chose que sur Shadow. Shadow, c'était vraiment la merde. On passait un petit quart d'heure dessus à activer le Pack-a-Punch. Et là, sérieusement, là, hop, on peut faire soit que du kill ou se faire le secret. C'est comme vous voulez, c'est très simple. Alors il suffit, je vais vous donner un repère. Alors c'est vers l'électricité, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore la map. Alors une fois que vous avez activé l'électricité ici, tac, vous allez derrière. Là la porte va s'ouvrir, hop, et vous allez là, ici, là. Donc je vous donne des repères, là c'est là où il y a le rayon de la mort, je crois, donc on a comme ça. Donc vous faites carré, hop. Cette machine est essentielle pour notre survie. Et hop là, déjà, un truc activé. Et en fait, il y a juste à activer trois choses comme ça, et c'est bon. Donc la deuxième, elle se trouve dans les sous-sols. Alors les sous-sols, ils s'ouvrent quand vous activez l'électricité, donc hop, on va faire un petit tour. Ah ouais, non mais là, c'est vraiment mais d'une simplicité pas possible. Alors là, bien sûr, il y a les trucs comme sur Shadow, là, les sortes de sorcières. Hop, voilà le deuxième. Comme vous pouvez le constater, en plus, vous voyez, c'est. Tac, tac. Vous voyez pas d'œil. Je vais juste vous faire voir un petit truc. Bah, ça va être pour le secret. Hop. C'est pour le secret, hein. Ça, je pense. Hein. Bah, c'est pas je pense, c'est même sûr. J'aime bien, ça fait joli, je trouve. Voilà. Waouh, regardez, c'est joli. Regardez les zombies qui sont dans l'espace. Regardez, olé. Ça me fait trop penser à Moon, comme je vous disais sur la vidéo précédente. La pyramide, c'est vraiment comme dans Moon, donc dans l'espace. Alors là, je pense que ça a quand même un petit rapport, parce que on dirait qu'ils ont ramené des pierres de, voilà, de Moon. Donc il y a un gros rapport. Ah, donc on va continuer là, cette vidéo. C'est une petite parenthèse pour vous faire voir quand même. Ah, il y a une jolie partie des moules. Donc ensuite, alors, une fois que vous avez activé celui-là, tac tac, donc attendez, hop, on va prendre le téléporteur. Alors faut ouvrir cette porte là. Hop là. Et on prend le téléporteur. Et ce qui est bien, c'est que sur les trois emplacements qu'on a activés. Excusez-moi. Il y aura trois packs à punch en fait. Donc maintenant on va à la fusée. Donc une fois qu'on a la fusée, hop, ça kiffe, ça vite fait. Vous allez là-haut. Tac 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 tac. Et voilà, elle s'active toute seule la troisième. Et voilà. Donc, j'active comme ça pour plaisir. Ouais, juste pour vous faire voir, ils ont mis des nouvelles couleurs. Alors là, je un peu être rouge, vert, bah, comme bleu là. Les couleurs sont vraiment stylé, je trouve. Donc là on va repartir là-haut. Hop là. Donc voilà à quoi sert les plateformes d'atterrissage. Alors voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous faire voir comment activer le Pack-a-Punch. J'espère que ça va vous servir pour ceux qui ne savaient pas encore activer le Pack-a-Punch. C'est vraiment mais d'une simplicité pas possible, c'est autre chose que sur Shadow comme je disais tout à l'heure. Ah, c'est vraiment pratique, hein. Comme ça on passe pas 50 ans à activer les choses, quoi. Donc, en fait vous avez besoin que d'activer limite une partie, un côté, hein. Il n'y a pas besoin d'activer tout. Bah d'activer tout, d'ouvrir tout en fait. Soit que vous commencez de l'autre côté ou que vous commencez de ce côté là, ça revient au même. L'important c'est d'allumer l'électricité, parce qu'une fois que vous allumez l'électricité, ça ouvre vraiment pas mal de portes. Donc c'est vraiment pratique. L'électricité, c'est vraiment pas mal de portes. Ah non, je crois que c'est bien un truc. Je vous ferai d'autres vidéos une fois que, comme vous pouvez le constater, il y a des pièces à ramasser. Bouclier à propulsion, je sais pas comment on le fabrique encore, tout le reste. Donc on verra ça. Ouais, j'ai des mines terrestres aussi, les amis. Les mines terrestres, maintenant, ils sont dans la caisse. Ils ont mis les mines terrestres dans la caisse. Ah, il y a la fusée qui va décoller. On l'entend. En fait, elle décolle pas, elle fait des fausses parce que
Bah, on peut crever aussi avec la fusée. Là, moi, je vais recommencer. Moi, je vais vous laisser sur cette petite vidéo-là. J'espère que ça vous aura plu. Bon, allez, moi, je vous dis à la prochaine. Bon, allez, ciao, bye bye.